tout est prêt. Il y a même sa jolie photo. Alors, il ne vient pas, il n'y a que la photo. Voilà. Bon, vous êtes prêts ou pas? Ouais. Vous êtes prêts ou pas? Ouais. Sachant que c'est la dernière conférence du week-end pour Monsieur Lodge, je vais demander de l'applaudir très très fort à Monsieur Christopher Lloyd, s'il vous plaît. Ouais. Debout. Tranquillement. Donc, vous savez que c'est la dernière fois où vous pouvez lui poser des questions du week-end. Donc, je pense qu'il y a quand même quelques personnes qui vont avoir des questions à poser, parce que moi, sinon, j'en ai plein. Donc, ceux qui veulent en poser, ils lèvent la main. Là, tu as une casquette Retour vers le futur, déjà. Enfin, il y a une jeune fille en dessous, bien évidemment. Bonjour. Nous t'écoutons. Voilà, j'aimerais savoir s'il compte refaire un film là prochainement. Alors, est-ce qu'il a des projets de film? Oui, voilà. Voilà. Oh, yes, yes, si, oui. I've not retired, so I'll keep working, yeah. Alors oui, il n'est pas à la retraite, donc il continue à travailler. Il y en a un qui sort bientôt, mais il ne se rappelle pas exactement du nom là tout de suite. C'est pas grave, il va sortir bientôt, on va voir. De toute façon, ici et après là, ici. Soyez-vous d'accord pour faire un quatrième retour vers le futur? Soyez-vous d'accord pour faire un quatrième retour vers le futur? Un quatrième? Je crois que ça a été déjà posé, mais comme c'était hier, on va la reposer. Second time. Where were you last May 15th? May 15th? No, where were you the last week of the month of May in 15? Did you remember? The last week of May 2015. You were at the Phoenix Comic Con and I was there. Oh really? And, yeah. And I was dreaming. Oh. And I was too shy to ask you this question, so now the destiny gave me an opportunity to meet you a second time, so this is my question. You, who traveled through the time with the time machine and back to the future, do you think that the time machine is a good invention for the humankind? It's such a incredible innovation. It's good. I'm sure it would have consequences, just like the internet and modern communication. I think a time machine would be extraordinary because you could go anywhere in time, supposedly. So I think it would be extraordinary. Whether it would be put to good use or not, I don't know. Alors il ne sait pas, c'est que ce serait quand même une très grosse invention. Et si ça existait, les machines à remonter dans le temps ou à avancer dans le temps, ça changerait tout, ça aurait des conséquences énormes comme Internet. Comme Internet par exemple, qui a tout changé dans la façon dont on vit. Et si ce serait bien ou pas bien, ça, il n'en est pas sûr. Alors, avant d'aller plus loin, je crois qu'on a une question au téléphone. Je crois qu'on a quelqu'un au téléphone. Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? Oui!
Ah. Ah oui, nom de Zeus. Oui, je vous entends. On m'a dit que mon autre moi, celui présent, était avec vous. Ah, je n'en reviens pas. Alors, dites-moi, est-ce que vous voulez venir le voir? Est-ce que c'est possible? Si c'est le cas, on vous attend. Allez, on vous attend. Je pense qu'on vous attend. Je crois qu'il va y avoir une petite surprise pour ceux que ça n'était pas prévu du tout. Mais je vais vous demander d'accueillir Monsieur Pierre Athé, la voix française du doc. La voix française de Christopher Lloyd depuis 30 ans maintenant. Monsieur Pierre Athé. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Je suis heureux de rencontrer mon double. Ma joie. Great Scott! Nom de Zeus! Chez lui! Ça fait des années, ça fait 30 ans que je te cherche. Vous, Einstein! Alors, qu'est-ce que vous êtes? Mais je vous connaissais de vue, Delsa. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Christopher Lloyd n'était pas au courant de cette surprise. C'est une rencontre, c'est une première fois que Christopher rencontre Pierre Athé. Applaudissez-les. Alors, on va... qu'est-ce qui vous est arrivé, Pierre? Ah, on y va. On va le faire asseoir. On va le faire asseoir d'abord. Let him sit first, maybe. J'ai eu un petit accident. Ce qui m'a cassé le pied. Me dire à moi, ne me casse pas les pieds. C'est déjà fait. Oh, I'm so sorry. Donc voilà, première fois que les deux acteurs se rencontrent. C'est juste fabuleux. Ça n'avait jamais été fait auparavant. Christopher n'était pas au courant. On remercie beaucoup Pierre Athé pour venir nous faire cette jolie surprise. Alors, je crois que Christopher donc, veut faire une petite démonstration de doublage, c'est ça? We don't need roads. Là où nous allons, il n'y a pas besoin de route. Si vous avez des questions pour Pierre, par contre, il va pouvoir répondre à vos questions. Il est là aussi pour ça et pour se faire plaisir. Donc on va laisser voir s'ils veulent faire leur petite démonstration ou si ça va être compliqué. Je ne sais pas. Je vais vous laisser juger. Il vient de la faire. Il vient de la faire. J'ai pas regardé. Pardon. Alors, des questions pour Christopher ou Pierre. Je vous écoute. Ici. Vas-y. Donc moi ce serait pour Pierre Athé, parce oui. que comme beaucoup ici, il a fait une des voix les plus marquantes de mon enfance, c'est celle du Joker. Et je voudrais savoir s'il pourrait faire juste une petite interprétation du Joker en une ou deux phrases. Le Joker. Oui. Nom de Dieu, j'ai perdu une scène. Ça fait 30 ans que je le cherche. Je n'y arriverai pas. Le Joker, Batman.
Merci Pierre. Une autre question. Tu en as ici et il y a le jeune homme en blanc derrière, mais reste juste à côté là. Tu en as une juste à côté de toi, ici. Et après, on s'occupe de toi, ne t'inquiète pas. Bonjour, c'est une question pour Christopher Wright. Alors je me souviens que petit, j'avais été un peu traumatisé par Juge de mort. Je voulais savoir s'il aimait jouer les méchants comme dans Roger Rabbit. Est-ce qu'il aime jouer les méchants? Yes, yes. Oh, I like playing evil. When you're evil, you can be as bad and awful as you like, and you don't have to worry about it. You don't have to. It doesn't bother your conscience. It's an opportunity just to be a nasty, awful human being for the fun of it. Oui, il adore ça. Quand on est méchant, on n'a pas besoin d'avoir des cas de conscience. On peut faire les pires trucs qu'on veut sans se poser de questions. Alors, le jeune homme, on va lui lancer le micro. Si vous avez encore quelques questions pour Pierre, c'est vraiment une. Il ne fera pas d'autres conférences, donc c'est le moment ou jamais. J'ai une question pour Christopher Lloyd. Est-ce qu'il va faire des films en dehors de Retour dans le futur? Ça, on l'a déjà posé, jeune homme, la question, savoir s'il allait faire des films bientôt. Le monsieur avec les lunettes. Vas-y. J'ai une question. Après, alors. Vas-y, toi, oui, vas-y. Was it. When you played in Back to the Future? It was a lot of fun. I love the character of Doc Brown and this wonderful story and inventing the time machine. Very much fun. C'était fun, il adore son personnage, il aime beaucoup l'histoire et en plus il a une machine à remonter dans le temps, donc que demander de plus? Alors, moi j'ai une question pour Pierre. Pierre donc, a fait la voix de Christopher Lloyd depuis très très longtemps, depuis 30 ans, on l'a dit tout à l'heure. Comment il arrivait à rentrer dans le personnage de Doc Brown? Parce que Doc Brown c'est une vraie composition. Comment on rentre dans un personnage comme celui de Doc Brown en tant que doubleur, en tant que comédien de doublage? Oui, je me suis aperçu que Christopher Lloyd et moi n'avions pas la même voix. Alors j'ai choisi d'imiter son jeu, de chercher la jubilation extraordinaire de Christopher Lloyd. C'est ça, et c'est comme ça que j'ai retrouvé le doublage facile, bien fait, parce que c'était le jeu qui m'intéressait, le jeu de Christopher Lloyd, plus que ça. Donc on va retrouver à Christopher, puisque c'est intéressant qu'il le sache aussi. Et c'est vrai que le jeu de Christopher Lloyd est très très particulier et très complet. Une question devant ici, vas-y, je t'en prie. Toi, mais non, mais vas-y, toi, ici, là. T'as une question, je crois, juste à côté, voilà, vas-y. Oui, j'ai une question pour Pierre Attey. J'ai une question pour Pierre Attey, effectivement. Est-ce que vous vous sentez toujours prêt à faire du doublage? Effectivement, le jeu clair, parce que, enfin, j'ai pas. J'ai vu des séries Batman et tout. Mais est-ce que vous sentez toujours prêt à doubler le Joker, par exemple? Est-ce qu'il serait prêt à redoubler des choses, notamment le Joker? Et aussi faire d'autres doublages de d'autres doublages et d'acteurs. En gros, est-ce qu'il a des projets, quoi? Oui, bien sûr. Mais j'ai pas le texte. Absolument. Je serais prêt à redoubler le Joker parce que c'était un travail passionnant. L'acteur est extraordinaire. Alors je suis prêt à recommencer tant qu'il faudra et tant qu'il le faudra. Voilà. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Une question pour le jeune homme en besoin. Marron, s'il te plaît.
Merci, bonjour. J'aurais une question. Colle bien le nom. À ton menton. Colle le micro à ton menton. Voilà. J'aurais une question pour Monsieur Lloyd. Oui. Question au niveau du tournage de Retour vers le futur. J'aurais voulu savoir à l'époque en fait où Eric Stoltz jouait le rôle de Marty McFly avant qu'il soit remplacé. Si vous, quand vous jouiez avec lui, vous avez participé à la décision de vouloir remplacer l'acteur ou c'est la décision intégrale de M. Zemeckis. To do with that, and when it happened, it was a complete surprise to me. And he was a very good actor, and he was doing very well. But they needed to have an actor who had a natural comic flair, a natural comedian. So they had to change it. But I had nothing to do with it. I didn't even know they were going to do that. Alors, il n'avait rien à voir avec le changement d'acteur pour le rôle de Marty. Celui avec qui il avait commencé à travailler, il était très sympa et c'était un très bon acteur, mais ils avaient besoin de quelqu'un qui était plus naturel avec la comédie, qui avait un côté comique qu'il suivait un peu partout, et c'est pour ça qu'ils ont dû le remplacer. Mais non, il n'avait rien à voir avec ça. Alors, on va continuer avec une question ici. Je vais passer mon micro parce que sinon, ça va être compliqué. Bonjour, j'aurais une question à poser pour Pierre Adé. Voilà, je voudrais savoir quel personnage que vous avez aimé le plus doubler. Le personnage qu'il a, son personnage favori. Il y en a eu beaucoup, mais je crois que ce que j'ai préféré doubler, c'est Monsieur Christopher Lloyd. Acteur considéré en France comme acte first. What did he say? Allez, encore quelques questions. On va essayer un peu au fond parce que d'habitude on fait toujours les questions devant, on va en faire une après promis devant. Voilà. Bonjour, j'ai une question pour Christopher Lloyd. En fait, on sait aussi qu'il est apparu dans... on sait aussi qu'il est apparu dans Star Trek, le troisième film. Du coup, j'aimerais savoir si il comptait apparaître ou est-ce qu'il aimerait réapparaître dans un film Star Trek. I love doing Captain Kirk. Captain, whatever my name was. I loved it. I loved all the makeup and the evil. I'd be delighted to come back and do that character again. Il a bien aimé être dans Star Trek, surtout le maquillage et tout ça, de se transformer un peu. Et donc, ça lui dirait bien de revenir. Hello? Hi. A question for Christopher Lloyd. First of all, I'm a big fan of Back to the Future and Clue, also. Dans une movie Clue. And ma question en français, plutôt. J'ai lu que vous aviez voulu arrêter le cinéma avant d'avoir le scénario de Retour vers le futur. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? I've never wanted to stop making movies. I love making them. En fait, il a jamais eu envie d'arrêter. Il aime beaucoup faire des films. D'accord, on continue avec une ici. Après, promis derrière. C'est une question pour Christopher Lloyd. C'est quoi votre le meilleur moment pour le tournage de Retour vers le futur 1, 2 et 3 compris. Votre meilleure anecdote. Back to Future 3, because it was a western. Everybody likes to be a cowboy and ride horses and all that. And Doc Brown had a romance to Moon Clara. And it's the only romance I've ever had in the film, so I really,
that was like a great experience. But I enjoyed the third the most. Il a préféré le 3, le Retour vers le futur 3, et plus précisément, déjà parce que c'est un western et tout le monde a envie d'être un cow-boy, mais plus précisément, il y a son personnage qui a aussi eu un peu une histoire romantique, et c'était assez rare pour lui dans sa carrière de jouer ça, donc ça lui a bien plu pour une fois. Ah, une petite question pour Pierre, dans les personnages qu'il a doublé pour Christopher Lloyd, il y en a un qui a marqué beaucoup aussi, c'est Oncle Fétid. Est-ce qu'il peut nous faire une petite phrase d'Oncle Fétid pour la famille Adams, pour les fans qui sont là? Ah oui. Lorsque j'ai rencontré mes jeunes filles dans le fiacre qui allait tomber, tout de suite, je me suis dit, je suis amoureux. Merci Pierre, merci beaucoup. Alors on va continuer avec quelques questions. Je crois que tu as déjà le micro, c'est ça? Oui. Alors en fait j'ai une question pour les deux comédiens. Mm-hmm. Est-ce que les répliques du doc étaient difficiles à comprendre lors des explications scientifiques sur le voyage dans le temps? Est-ce que c'était compliqué à comprendre? I spent a lot of time to learn all the lines and to make them make sense. But they were so well written that they did make sense. It was very logical reasoning in all those scientific speeches. And it was a lot of fun to have language like that and to be able to do it on film. Alors c'était un peu compliqué, donc ça, il a mis du temps à bien relire son dialogue pour être sûr que ça veuille un peu dire quelque chose, qu'il sache ce qu'il raconte, mais qu'au final c'était tellement bien écrit qu'il comprenait à peu près ce qu'il disait et que c'était très drôle et très sympa de pouvoir utiliser des mots comme ça et raconter de la science comme ça. Ensuite, oui le micro, tiens, excuse-moi, oui il y a deux. Suis-je bête, pardon. Non. Ça n'a pas été très difficile. Vous savez, en doublage, c'est comme un magnétophone. On nous passe la scène, on essaie de la doubler, d'être non seulement d'être synchrone, mais en plus d'être dans le jeu de l'acteur américain que l'on double. Et si on l'écoute tout de suite, et on voit bien que si on voit que c'est bien, c'est correct qu'on y croit, ça sort du film comme si c'était une version originale. Voilà. Bravo. Au premier rang, en vert, s'il te plaît. Et après on repasse derrière. Toi aussi, ouais. Bonjour, j'ai une question pour Christopher Lloyd. Ma question c'est de savoir s'il serait intéressé de passer à la réalisation. Derrière la caméra. Passer derrière la caméra. Directing is a lot of work, and I find that acting occupies all my attention. Directing never stops. You have to know so much technology, and you have to have the authority to make people do what you want them to do. You have to be able to cast. Plan every day shooting, it's a big job, and you've got to have the knack and the passion for it. I just have a passion for the acting. Alors, est-ce qu'il aimerait se mettre à la réalisation? Pas vraiment, c'est beaucoup de travail et jouer la comédie, ça lui prend tout son temps et surtout, c'est un travail différent. Il faut suivre le film du début à la fin, il faut s'occuper du casting, il faut se familiariser avec toute la technologie des caméras et c'est pas son truc. C'est pour être réalisateur, il faut avoir une passion et lui, sa passion, c'est le jeu d'acteur. Alors, il y a une petite demoiselle qui a une question. Lève bien ta main. Salut! Est-ce que dans la vraie vie, vous avez chien qui s'appelle Einstein. Est-ce que dans la vraie vie, est-ce que donc Christopher a un chien qui s'appelle Einstein? I'm afraid not, though.
d'après ce que j'ai compris. Alors on continue. Je vais faire une question ici. Donc j'aurais une question pour Pierre Attey. Je sais qu'il a doublé le Joker dans les jeux Batman Arkham. Est-ce que c'est différent de doubler un jeu vidéo que de doubler un film ? Très intéressant, effectivement, comme question. Est-ce que c'est... Alors, je crois même qu'on pourrait la poser aux deux acteurs, puisque je ne sais pas si Christopher Lloyd a déjà doublé le jeu vidéo, mais normalement dans Lego Dimension, je pense. Est-ce que c'est plus compliqué de doubler ? Yes. Donc, est-ce que c'est compliqué de doubler du jeu vidéo ? Voilà, tout simplement. Is it difficult to do the voice for video games ? C'est un peu la même chose, sauf qu'on n'a pas ce qu'on appelle dans le doublage une bande rythmo, où le texte est écrit et défile sous l'écran. Là, il n'y a pas de bande rythmo, il n'y a pas de repère. On le fait à l'image. When you're just doing a voiceover, it takes a lot more energy than you might think. Just because you're only talking, you're not on camera. You have to work harder to get everything through your voice. So it's difficult, but it's a lot of fun. En plus, c'est un peu différent parce que c'est pas entre faire la voix, c'est quand il fait l'acteur, il fait aussi le jeu physiquement. Et donc, ce qu'il dit, c'est que quand on fait la voix pour un jeu vidéo, il faut donner plus parce qu'on a que sa voix, comme on peut pas bouger, il faut essayer de faire passer plus de choses par la voix. Et c'est ça qui est difficile, mais c'est quand même marrant. Question suivante, la jeune fille habillée en. C'est en quoi ? C'est en lapin ? C'est en quoi ? Voilà, ici. Merci. Bonjour. C'est une question pour Christopher Lloyd. Oui. Ce serait pour savoir s'il savait en quoi le quatrième retour vers le futur. Est-ce qu'il avait une idée de ce qui se passerait dans le quatrième retour vers le futur ? Est-ce que c'est déjà décidé ? Voilà. I don't know. Maybe that Marty and Doc Brown would be stuck in some period way in the future and couldn't find out how to come back with a space machine, maybe. Alors c'est pas un scénario confirmé parce que le film n'est pas en préparation pour l'instant, mais il imagine que ça pourrait être sympa que par exemple Doc et Marty seraient coincés dans le futur mais très 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 loin, pas juste quelques années ou quelques dizaines d'années, et qu'ils sachent pas comment rentrer et que ça pourrait être ça. Donc imaginez un nouveau futur. Une question devant aussi. Alors moi c'est pas tout à fait une question, c'était tout simplement pour remercier Christopher Lloyd et Pierre Attey de nous avoir fait rêver durant toutes ces années et de continuer à nous faire rêver. Et je tenais simplement à le remercier maintenant que je les ai sous la main du coup. Et je trouvais ça sympa. Alors on a très peu de temps pour les questions, donc voilà, c'est pour ça. Donc on va continuer avec les questions. Ici devant, et après on repasse derrière. Il y aura là. Vas-y. Bonjour. Et après toi. Alors j'aurais une question, ça serait pour les deux comédiens en fait. J'aimerais savoir par rapport à la vision du futur qui est dépeinte dans Retour vers le futur 2, quelle invention ils aimeraient voir exister de nos jours qui n'a pas été. Quelle invention n'a pas été faite et qu'ils aimeraient voir dans leur version, enfin dans la vraie vie, qui était dans la version de Retour vers le futur. The Chicago White Sox did not win the World Series this year. I would like to see them win someday. Les Red Sox, l'équipe ils avaient prédit dans le film qu'ils allaient gagner le championnat, et ben ils n'ont pas gagné cette année et lui il aurait bien aimé qu'il gagne. Voir tous et vivre dans cet univers, quel rêve! On continue ici. C'est une question pour Pierre Attey. C'est vous la voix de Cortex dans Cortex et Minus de Spielberg? La voix de Cortex dans
dessin animé Cortex et Minus. Le Cortex, dessin animé Minus et Cortex, c'est vous ? Oui. Est-ce que vous vous souvenez de la série ? Qu'est-ce qu'on va faire ce soir, Cortex ? Vous dites que je fasse Cortex ? Oui. Vous vous souvenez de la série ? Mais ce que nous faisons chaque jour, Minus, tenter de conquérir le monde. Alors encore un peu de temps pour quelques questions. J'avais dit que je venais là. Je reviens là. Hop. Pour Christopher Love. Et je voulais vous demander si vous êtes content d'avoir réalisé tous vos films et rencontrer les acteurs. Je sais qu'il est lui-même acteur, donc il s'est rencontré lui-même du coup. Okay. Donc est-ce qu'il est content de la manière dont tout s'est passé sur Retour vers le futur notamment, et sur tous les films qu'il a fait? Est-ce qu'il est content de l'entièreté de ses films, ou est-ce qu'il a des petites déceptions peut-être sur certains films? Il est très content de sa carrière, il trouve qu'il a eu de la chance de jouer tous les rôles qu'il a joués. Après, il y a peut-être 3-4 films qu'il n'a pas nommés, où il aimerait bien soit ne pas les avoir faits, ou peut-être de pouvoir y retourner pour les faire différemment. Il se dit que peut-être il s'est un peu embarrassé sur certains trucs, mais que bon, ça arrive à tout le monde. Oui, il faut dire. Those films that I didn't care about so much, I don't think anybody is seeing them, so I'm not worried about it. Bon, ça va parce que c'est pas ses films les plus populaires, donc il se dit il y a pas grand monde qui les a vus, il a pas trop de soucis à se faire. Donc Fouzia, dis-moi. Je veux savoir si vous revenez au théâtre de temps en temps. Yes, I like the stage. Theater. Shakespeare. Yeah. I'm Shakespeare. Oh yes? Oh good. Yeah, I like Shakespeare. I started in the theater in Shakespeare. Yeah. Midsummer Night's Dream. Oh, Winter's Tale, Hamlet. I didn't play Hamlet, but I was in the play. King Lear. I didn't play King Lear, but I was in it. Twelfth Night, and others. I can't remember right now. La légère apprivoisée. Oui. Ok, alors on attend pour... Allez, deux questions et après c'est terminé. Donc, toi tu as le micro, c'est ça? On y va. Question pour Christopher Lloyd. Je voulais savoir si quand il tournait Retour vers le futur, en fait, il pensait que ça aurait un tel impact dans les générations présentes et futures, pendant qu'il tournait en fait. Anticipation that I'd be here now answering that question 30 years later. It was a surprise.
qu'à l'époque, ils espéraient juste que le film passe bien auprès du public cette année-là. Mais ils n'auraient jamais cru que 30 ans plus tard, ils seraient dans une convention à répondre à cette question devant tellement de monde. Et allez-y. Allez-y, allez-y. Et la dernière question, monsieur avec le chapeau. Parle plus fort, école bien le micro, attends, m'entends. Bonjour, c'était pour savoir si Christopher Lloyd savait s'ils allaient utiliser une voiture pour faire la machine à retourner dans le temps, et si oui, quelle marque de voiture? S'ils allaient utiliser une voiture, c'est ça? Pour les prochains? Oui. Alors, est-ce qu'ils vont utiliser la même? Il y a des chances. Ou est-ce que... Il sait déjà, est-ce qu'il sait si on va utiliser la même chose ou si ce sera autre chose? I think the DeLorean still works. It looks, it's still, the DeLorean looks futuristic. And I don't think there's any car that has quite the look and essence of a future as the DeLorean has. So I think they'd use it again. Je pense que la DeLorean marche toujours, déjà. Et surtout qu'il n'y a aucune autre voiture qui a un look aussi cool et futuriste et qu'il faut, il faut garder celle-là. On va terminer avec un dernier mot peut-être de la part de Pierre et de Christopher avant de conclure. Pierre, peut-être, on va vous laisser commencer si vous avez un mot pour les fans qui sont là pour toute l'œuvre, à la fois de Christopher Lloyd et la vôtre. Si vous voulez dire un dernier petit mot. From today, I'll be back in Paris with all of you answering more questions about time travel. Dans 30 ans, il veut être là, de retour à Paris, à répondre à encore plus de questions. Et Pierre, je tiens à vous dire combien je suis heureux d'avoir rencontré Christopher Lloyd, qui est un acteur de théâtre, comme moi. Yeah, and in 30 years, we'll both come back. Et je vous demande de tous vous lever et de les applaudir très 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 fort. Monsieur Pierre Hatté, Monsieur Christopher Lloyd, s'il vous plaît. Vous avez un pied cassé. C'est provisoire. No more speed. Là, oui, c'est-à-dire que j'avais décidé de faire un petit tour en me servant de la planche à roulettes de Marty, hein, c'est l'overboard. Et ça ne m'a pas porté chance, je me suis cassé la figure. Alors voilà le résultat. Merci encore à eux, on les applaudit très fort. Christopher Lloyd et Pierre Hatté, on va les raccompagner. Il y a un accès VIP. Comme une rockstar.